Si je souhaite lire les cartes pour quelqu'un d'autre, dois-je laisser les tirer lui-même ou est-ce que c'est moi qui tire Alors là, pour faire ça, y a, y a, en fait, il n'y a pas de règles. Ça dépend vraiment de chacun. Euh, vous avez des personnes qui n'aiment pas euh, qu'on qu touche à leur jeu. D'autres qui, qui ne considèrent pas qu'il soit possible euh, de tirer pour quelqu'un d'autre. Donc ça dépend vraiment en fait de, 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 de chacun. Euh, voilà, donc c'est pour ça que vous aurez, vous aurez des tarologues, des taromanciens, des, des peu ou autres qui vont tirer pour vous ou qui vont vous laisser tirer. Ça dépend vraiment de la méthode. Euh, moi je fais les deux. En fait, quand, quand je, je suis devant quelqu'un qui me pose une question euh, dans laquelle la réponse doit être objective. Par exemple, quelqu'un sur qu'est-ce qui va se passer dans, dans, dans mon avenir, voilà, je, je voudrais savoir, est-ce que je vais trouver un travail, etc. Je vais tirer moi-même. Je vais tirer moi-même parce que je n'ai pas envie que la subjectivité euh, émotionnelle de l'individu soit projetée sur le tirage. Pas sur l'interprétation, mais bien sur le tirage. C'est-à-dire que la, la personne, en, en posant une question, va évidemment avoir une envie très spécifique. Et elle pourrait se retrouver malgré elle et sans le savoir à aller vers les cartes qui donneraient le résultat qu'elle attend ou qu'elle craint, mais non pas le vrai résultat. Donc, pour des questions objectives, c'est toujours moi qui tire. Par contre, sur les questions où j'ai besoin de la subjectivité de la personne, de son vécu, de son ressenti, euh, là, dans ce cas-là, je vais lui demander comment est-ce que je me sens actuellement, qu'est-ce que je vis, pourquoi, parce que le pourquoi, ça va donner des raisons personnelles. Quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts, tous ces éléments qui vont me permettre de brosser un peu le, le, le portrait du personnage Là, dans ce cas-là, je vais demander à l'autre de faire. Sinon, en règle générale, c'est moi qui tire.